Dis-moi, grand-père, que regardes-tu? Je regarde les photos des navires construits à Saint-Nazaire. Elles me rappellent mon grand-père. Un jour, il apprend qu'il y a du travail sur les paquebots au chantier de Saint-Nazaire. C'est ainsi qu'il quitte son pays du Léon pour arriver chez nous, en Brière. La vie était rude. Chaque matin, avant que le coq ne chante, les hommes partaient pour les chantiers de Painouette, pour cisailler, former, pointer, ajuster les tôles. Les femmes, elles, restaient à la maison pour s'occuper du linge, du jardin. À cette époque, les hommes étaient payés à la quinzaine. Alors, le jour de paye, ils traînaient un peu dans les cafés du port. On pouvait même y voir mon grand-père, fier de démontrer les danses de son pays. Et il n'était pas rare qu'après quelques hésitations, des hommes s'y essayaient. Viens, je vais te raconter tout cela. Thank you.
Ils travaillaient dur. Les outils n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, mais ils savaient aussi s'amuser. Quand un paquebot était achevé, les ouvriers, accompagnés de leurs familles, les habitants des communes voisines, sans oublier les belles dames de la ville, tout le monde se retrouvait sur le quai pour le voir quitter le port. Il y avait de la joie, ça dansait, c'était la fête. Vois-tu, ma petite fille, Saint-Nazaire et les paquebots, c'est une longue histoire, et ce n'est pas terminé.